Salut à tous, c'est Vinsky, Raïm et Camille du Vinsky FC. Aujourd'hui on se retrouve dans la ville de Trévissac pour réaliser une vidéo qui va être ultra cool, qui va surtout lancer un gros projet pour moi dans la seconde partie de saison. C'est le KFC FC. C'est en fait un projet qui a été lancé par KFC qui va permettre d'aller rencontrer des petits clubs en Coupe de France qui affrontent de gros clubs. Exactement. Donc, David contre Goliath pour du coup les rencontrer, voir un petit peu comment ça se passe dans leur quotidien et surtout aller voir les supporters, leur donner un peu de force, leur dire les gars on peut y arriver. Enfin, vous pouvez y arriver en tout cas. C'est moi je serai là pour vous soutenir. Du coup, on est aujourd'hui à Trévissac pour le premier épisode. Ils vont affronter Marseille en début janvier. C'est un gros match. Et ça tombe bien. Hein. T'es content de... Oui, donc du coup, moi, bon, Marseille, deuxième du championnat, en Ligue 1, ça va être compliqué. Très compliqué, mais pourquoi pas, c'est ça aussi la Coupe de France. On va essayer de chauffer aujourd'hui des petits défis un peu cool. C'est parti, show Raïm, show Camille. Ouais, show. Let's go. Alors, je sais pas si vous avez vu dans les précédentes vidéos, Julien, il a un petit cahier qu'on lui a offert, il en est fier. Mais Julien, il y a deux étapes dans ta vie. Première étape, celle-ci, avec cette nouvelle feuille, on va te la prendre pour Noël prochain. Si vraiment t'es bon et t'es pas viré parce que t'es sur la pente, quoi. Là, on a la version 3x4, j'ai la taille d'un 3x4. Et on a même les places. Bon bah c'est parti, on va pouvoir commencer le premier défi. Les gars, déjà, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Qui est le meilleur en précision parmi vous? Ah bah voilà, voilà c'est parti. Juste rapidement avant de commencer, vous avez joué contre Marseille du coup, ce sera votre prochain match. C'est un peu voilà une question globale, mais quel est votre état d'esprit avant ce match qui est quand même un match très important et qui peut faire beaucoup de bruit si vous arrivez à faire l'exploit? Bah motivé. On a hâte je pense. Impatient. Là, il va falloir nous battre, nous. Ouais, déjà battu. Après, on vous laissera la ligue. Il y a encore plus de pression. Bon, c'est parti. On va voir qui est le meilleur en coup franc. Let's go. C'est magnifique. Et pas loin de la cible d'ailleurs. Un point. Bravo, bon point. Ouais, mais. Voilà, voilà. Il a vécu. Ah, bon Vincent. Aïe. Ouh, ça va être un peu mieux aussi. Oh là là. Ah, il est chaud. Comment je déteste les goals, c'est pour nous là. Ça me vénère. Merci au scotch double face 34€, c'est le plus cher. C'est grâce à ça que c'est retenu. Ah mais si. Alors on peut dire ce que je viens de faire la gueule. Ouais j'avoue que c'est chaud. Mais non c'est pas validé mais c'était à deux doigts. Pour l'instant on perd 1-0 hein, donc faut vraiment se réveiller. On touche une cible et on gagne peut-être. Ouais voilà, nous le but c'est de toucher la cible. Là pour l'instant on les laisse prendre confiance, ils ont un match important. Oh les magnifiques. Alors c'est pas la cible, ça nous laisse envie. Ça nous laisse envie. Mais c'est bon. Oh, on est toujours en vie, mais il y a, ouais, il y a que 2-0, mais on pourrait ça tellement loin. Ça devait mourir, il y a des touches. Non. Bon, enfin, par contre, c'est pas. Vraiment le tireur de coup franc. C'est vraiment validé, hein, pour le coup. À 3. Regarde bien. Voilà. Oh, 4 Mon but, ça allait résister à une frappe, mais non. Alors là, Vincent, il voit son budget carte fut exploser. Ces cartes, elles viennent d'Angleterre, elles sont trop reloues, elles viennent 2 semaines à venir, 2 semaines. C'est pété en une frappe. Mais franchement, magnifique, vous nous mettez un 10-2 dans la tête. Bravo les gars. Là, on s'est fait exploser. Ouais, là, j'avoue. Bon, contre Marseille, du coup, c'est plutôt bon signe. Vous avez des coups francs, tentez les gars, tentez direct. Hein. Fais pas des combinaisons cheloues, hein. Tentez. Non, s'il vous plaît. Ouais. Regarde ton trophée. Ah, voilà, là, ça voilà. Fait voilà. Qu'on aime, messieurs. On lui donne. Voilà, bravo. Félicitations, tu peux rentrer avec. Merci, Mehdi. Deuxième défi, après ce premier, on a été. Bon, on s'est fait détruire, voilà, faut le dire, hein, 10-2. 10-2, c'est vraiment très sévère, comme la carte. Ce deuxième défi, c'est le crossbar challenge. Normalement, c'est ma spécialité. Bah, tu peux donner ton CV aussi. Donne le CV. J'ai réussi à battre de grands joueurs, notamment Cristiano Ronaldo, qui était le joueur, le plus gros joueur que j'ai rencontré. Donc, 3 essais chacun pour essayer de toucher la barre. Et on voit, bien sûr, à la fin qui a touché le plus la barre, c'est un point quand tu touches. C'est Benoît qui commence, 3 ballons. Il a été chaud dans les coups francs, est-ce qu'il sera chaud dans les crossbars? C'est maintenant.
Là, si je mets 0, vous allez pas croire ce que j'ai dit avant. Non, alors là, non, désolé. Désolé, là, c'est le paramétrage. Mais t'excuses pas, Marc. Le premier est totalement loupé et après je me suis rapproché 0, 2-0 pour eux pour l'instant. Oh. Mais ça a flirté. Oh. Ah, comme mon dernier tout à l'heure. Non, il a été trop bon, Lucas, mais je pense que lui, il en fera 0. C'est mieux pour nous. Hein, allez, 0, s'il vous plaît, 0. T'es rentre. Oui. Oh là là, ok. Tu vises la Lucas, si ça touche la barre, on verra. Attends, tu tires vraiment comme ça, comme un coup normal. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il tire comme ça, lui, carrément. Mais c'est pas mal. Ah, oh, c'est moche. Allez, Raïm. De toute façon, même si Marc s'est coupé au montage. Oh là. Allez, c'est parti, mon coco. Allez, mon vie. Oh putain, c'est chaud. Vous avez pas menti, pas besoin de moi. Ouais, mais après, maintenant, il y a le pied qui tremble. Allez, je suis pas encore prêt pour la nationale là, je suis craqué, manque de mental, faut que je travaille là-dessus. Ok, donc c'est parti, défi 3 avec une épuisette, voilà, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une épuisette dans les mains? Parce que regardez derrière, il y a une grosse cible, la cible KFC, avec des ballons un peu particuliers, parce qu'ils sont faits pour normalement coller. Donc il y a plusieurs ballons, il y en a qui sont vraiment très légers comme ceux-là, il y a des ballons on va dire plus vrais ballons de foot, mais avec du scratch dessus. Là aussi, petit point de stick, qui va être le meilleur parmi vous là-dessus? C'est encore toi Benoît ou pas? Je sais pas. Ah Dieu, je le sens bien. Ça a résonné. Le barème pour la cible KFC, si l'on touche le centre, c'est 5 points. 3 points pour la partie noire et blanche centrale et 1 point pour la partie noire et blanc extérieure. Pas mal. 8 points. 3 points. Les mini-jeux préfètes foraines, c'est notre truc. Je pense qu'on est meilleur là-dedans. La même. Voilà, la même. La même. Ouais, les deux. Il y en a 7. 14. Oh non, dégueu. 14. 0-0-0-0 là. 15. Ok. Non, ça dépasse pas, ça dépasse pas. Oh la gueule, c'est l'idiot par contre. C'est l'idiot. Ouais, mais c'est désolé. Les règles ont été établies avant, si ça ne dépasse pas cette zone là. Ça dépasse pas, c'est vraiment. Là voilà, il est parti vraiment là-dessus. Un petit peu en haut aussi, mais voilà. Dernier. Oui. C'est vénère. C'est sûr que ça compte. Il s'est énervé le monsieur. C'est la
C'est n'importe quoi. Arrêtez le comptage. La précision, faut le dire, c'était incroyable. Benoît, viens un petit peu par rapport à ça là. Comment t'as fait là? Tu tires fort en plus. J'ai pas réfléchi. T'as tenté, t'as tiré. Ouais, j'ai tiré. T'es inspiré de Raïm, tu tires comme ça. Il y a une petite patte quand même. Il y a une petite patte. Encore une fois, si face à Marseille, il faut qu'il tire les coups francs. Est-ce qu'on est d'accord que t'as copié sur moi, t'as frappé fort? C'est parce que t'as regardé. Voilà. Il le dit, il l'avoue. En mieux, avec un vrai pied. D'accord, ok. Putain. Bravo les gars. Trois défaites pour nous. Là ça commençait vraiment à être dur. Ouais, surtout que bon, on a fait 5 heures de route. Bon bah du coup on arrive à la fin de la vidéo. Alors voilà, ça c'est quand même un résumé de la vidéo. C'est notamment Messi qui était tellement détruit. Vous avez été très très bon là-dessus. Qui l'a détruit d'ailleurs? C'est toi Mehdi. Mehdi qui a été très très précis. En fait il y a Camille qui se cache avec Raïm de la manière la plus efficace. Ah possible. Ça tourne. Ouais ça tourne, ouais. Ah salut les gars, ouais. Ça lance bien cette saison KFC FC. Je serai au stade avec vos supporters pour vous soutenir. 5 heures de route, 3-0. Ouais c'est vrai qu'on a même fait 6 heures de route même pour venir ici. Pourquoi un 3-0? Mais c'était beau, on a vu des belles choses. On est encore et... du district. Voilà exactement. Donc n'hésitez pas si vous marquez un petit extérieur contre Marseille. Quaresma du district, bah, il fait que les extérieurs, c'est très souvent qu'il est ça en réalité. Voilà, Quaresma. N'hésitez pas à dire en commentaire si pour vous Trizac va battre Marseille ou si peut-être qu'il y a beaucoup de Marseillais qui regardent les vidéos. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à battre Trizac et combien, les scores, etc. Et mettez vos pronostics. Merci à Trizac pour l'accueil. Salut, peace and game. Ça c'est l'écharpe d'il y a 10 ans, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une grande histoire entre Trizac et Marseille. Ils s'affrontent assez souvent en Coupe de France. Donc là c'est la combien fois d'ailleurs? La quatrième fois, je sais. La troisième fois que Trizac affronte Marseille. Pour ça ils n'ont pas réussi à les battre, peut-être cette fois-ci.